Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Super Dragon Ball Heroes. Allez, continuons l'histoire. La dernière fois nous avions fait la petite histoire de Frauze, je sais pas du tout comment on l'appelle. Pour moi c'est Frauze. Je dis Frauze mais c'est Frauze. Bon. Hein. Écoutez, les prononciations on sera pratiquement jamais d'accord, je pense. Seuls les créateurs peuvent le dire. Et je n'ai pas eu l'enseignement des créateurs. Donc nous avions vaincu Li Shenron qui était accompagné du dieu démon Shroom qui les manipulait. Et cette fois-ci, on va faire l'histoire du Namek avec a priori Slug. Et le Slug géant a l'air d'avoir des cheveux. Ce qui me rend perplexe, mais bon. Allons voir ça. Par contre, je ne suis pas sûr de gagner. Le héros Namek est à peine niveau 38, même pas niveau 40, et je ne sais pas quelle est la puissance de ce truc. Donc bon, on verra bien. Ça se trouve, le niveau veut rien dire, c'est juste pour débloquer des stats et des cartes. Bon. Est-ce qu'il est fan de Piccolo du coup? Parce qu'on sait pas de qui il est fan lui en fait. Oh, le tout puissant. Oh, oui, une autre anomalie, il a été divisé. Oh putain, le tout puissant, c'est encore une carte à débloquer. Enfin, une carte à fabriquer du coup, parce que je vous rappelle que je ne peux pas débloquer d'autres cartes. Ça aurait été encore plus drôle que le roi démon Piccolo apparaisse à côté aussi. Non, on va faire comme ça aussi. La manche 2, c'est la meilleure. J'aurais peut-être pas dû utiliser l'XP maintenant. Bon, tant pis. Bah, l'ennemi avec un lycée parfait. Ouais. Déjà. Puissance plus bonus de dégâts. Non, pas maintenant. Il y en a qu'un seul qui attaque en face. Ouais, il y a des full berserk. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Allez, on va tenter comme ça.
敵の戦闘力を上回った。君は先行だ。仲間のアビリティ発動だ。君のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。連携効果で敵のヒーローエナジーがダウンしたぞ。やるじゃないか。仲間のアビリティ発動だ。 Si tout va bien, prochain tour c'est fini. J'ai appuyé un peu trop tôt. Ils ont l'air d'être mauvais. Oh merde, énergie au voisin. Oh les patins. Les patins. Heureusement que j'ai ça. Pour attraper leurs conneries. Mais bon. Oh. Je fusionne avec un mec? Comment ça? Wow. Intéressant, putain. Extrêmement intéressant. Alors là, je savais même pas. Ça m'a surpris. C'est quoi leur effet? Je savais pas. Putain, mais pourquoi ça allait pas à plus 3? J'allais aussi vite que je pouvais. Ah merde. Oui, j'aurais pas dû faire ça. C'est vrai qu'elle a moins d'endurance, tant pis. Et merde. ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。連携効果で気力が回復したぞ。いい攻撃だ。バーストモード突入。カード突撃で力が止まるんだ。スーパーバースト達成だ。 仲間のアビリティ発動だ。やめるなよ。爆撃魔法。仲間のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。やるじゃないか。仲間のアビリティ発動だ。 J'aurais peut-être pu régler ça en un seul tour tout à l'heure, mais bon. C'est sympa de voir de quoi il était capable, n'empêche. La fusion épique m'a bien surpris, et agréablement en plus. アクセサリーゲットだ。 バトルアプリ、もうこのラウンドのバトルで頑張った分経験値がもらえたぞ。バトルアプリのバトルアプリを捨てたぞ。仲間との絆が深まったぞ。
c'est pas fini. On va pas les laisser se barrer. Salsa. Le dieu de mon salsa. Où ça se l'a, je sais plus. Alors, est-ce qu'il va être tout seul ou est-ce qu'il aura les autres avec ceux qui restent du coup? Même si je l'ai dans ma team du coup le gars quand même. Ouais. Oh, que des berserkers. Ils n'auront qu'une seule attaque. Hop. Alors, il attaque tout seul. Mais je suis sûr qu'il va créer des problèmes. Et on attaque tous. On va essayer de le sonner. Comme ça, il attaque un passe-tour là. Plus de dégâts d'endurance infligés critiques, il va perdre son endurance. Ah mais il peut pas être assommé. C'était une erreur de ma part. Il peut pas être assommé. Il a le truc vert en dessous. Bon, on va lui enlever un maximum de points. Je récupérerai toute mon énergie avec mon perso, je vais fusionner avec Piccolo. Enfin, si je résiste. Il va attaquer. Le slug. Okay.
Et c'est certain. Va falloir que je résiste. Va diminuer leur endurance. Putain, mais je veux aussi vite que je peux. C'est ouf ça. Ah, ça touche pas Slug. On va aller à fond sur lui. しまった。敵の戦闘力やこちらを上回る。敵が先行だ。敵のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いいガードだ。ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。いいガードだ。 Aïe. Qu'est-ce qu'ils vont attaquer? Peu importe qui il attaque, il va être assommé. Le roi des mondes. C'est stylé, n'empêche. Ils peuvent pas le louper. Le bot ne peut jamais louper un truc comme ça. J'ai l'impression. C'était stylé. Bah il l'aura terminé tout seul. Finition ultra. Bah ouais, je l'ai terminé en deux tours. Fort de manche. Non, la manche 4 c'est la manche XP, donc je vais rien changer.
Pourquoi je peux pas aller à droite? Ah, rencontre salsa. A priori, on va le combattre là, alors qu'il passe à l'Iastag. Je sais plus si c'est salsa ou ça cela. Salsa, c'est ce que je crois ça. Il va se transformer en géant. Et il a bien des cheveux. Normalement Piccolo aussi peut se transformer en géant comme ça. Mais c'est parti pour combat de boss. Enfin, je crois. Ouais. Oh, ils sont revenus. C'est la merde. Il y a juste ce centaure qui dépasse de la terre. Tu espères le slack géant pour l'approcher. D'accord. Nope. Pas la peine. On y va à fond dès le début. Ouais. C'est un combat comme j'en ai jamais eu. Atteindre le gars de derrière en battant ceux de devant. C'est nouveau. Ah merde, j'en étais sûr ça. C'était trop peu. Pour un roi démon. Par contre, il est étourdi. Et on va bien lui foutre la merde. Enfin, la misère, pardon. Pas la merde.
J'aurais pas loupé mon attaque d'avant, j'aurais gagné. Déjà. Aïe, c'est mauvais. Je peux pas me défendre. Ouf. Oh, il nous enlève aucun point de vie. Je me demande par contre s'il nous touche, combien ça nous enlève. On doit souffrir. Hein. Ah, peut-être pas. Si j'arrive à diminuer leur endurance. Wow, c'est monté direct à 3. C'est vraiment au hasard en fait, j'ai l'impression. Wow, 19 000. Est-ce que le slug géant a des PV aussi? C'est ça la question que je me pose. Combien de temps on doit le toucher? Ah merde, qui va attaquer? Goku. Du coup, Goku va les finir. Et est-ce que après les autres attaquent Slug ou pas? C'est le cas. Est-ce que je dois retourner? Putain! Je
Je suis mort. En fait, les premiers trucs ne servent à rien. C'est celui-là absolument qu'il faut réussir. Oh putain, j'ai cru que ça allait être un truc où il faut tourner. C'est pas logique leur truc. J'étais trop concentré à tourner. Du coup, j'ai appuyé sur le A au mauvais moment. Bon, on va la recommencer. De toute façon, on est pas à la fin. Au moins, ça vous montre que quand on perd, ça fait un scénario de défaite. Moi, j'avais déjà vu, ça veut que j'ai déjà perdu une fois en off, quand je m'entraînais. Voilà. Ça vous le montre. Allez. On fonce. Surtout que ça m'a montré que je pouvais largement gagner en un tour. Prendre directement la manche 1. C'est vrai que ça sert pas à grand chose de prendre celui-là. On va prendre un miracle, au cas où ça puisse nous aider. C'est pour ce genre de situation hein, que je les garde, donc bon. Alors, par contre, on voulait pas, si je passe tout très vite, celui-là on peut pas le passer, apparition. Ouais, on peut pas passer. Il ne reste plus qu'à réussir toutes mes attaques dès le premier tour. Et réussir à mettre KO quelqu'un, surtout. Et ce sera lui. Et lui. On vise tous le même. Faut pas que je me loupe. Ça va être chaud vu qu'ils m'ont augmenté la vitesse, mais bon. Oh putain. En fait, en me concentrant, je fais plus de conneries qu'autre chose. Je devrais pas me concentrer. Alors, heureusement que j'étais. Qu'il était étourdi. パーフェクトだ。君の勝ちだ。連携効果で気力が回復したぞ。やるじゃないか。バーストモード突入。カード突破。力止まるんだ。スーパーバースト達成だ。頭のアビリティ発動だ。
Voilà, c'est réglé, maintenant on va pas falloir louper avec Slug. やった。スラッキーの部下たちを倒したぞ。これで終わりと思ったか。諦めろ。後悔させてくれよ。攻撃を仕掛けられるチャンスは一度きりだ。君ならやれる。ボタンを押せ。君のか。Yes。いい攻撃だ。 C'était sympa, ça change des gameplays habituels. Nuance, tu es le plus maléfique de tous les Namek. C'est tout. Item get da.
C'est sympa comme petite histoire. Franchement. Et voilà. Chapitre 2 terminé à 100%. Donc, dans 4 jours, on s'attaquera au chapitre 3. Mais en attendant, je vais peut-être pouvoir vous montrer comment on fabrique une carte. Enfin, vous montrer. On l'a déjà fait, oui, dans les premiers épisodes d'ailleurs. J'étais curieux de savoir comment faire. Du coup, je l'ai fait. Mais maintenant, là, que j'ai plus de trucs à faire, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, on va créer une carte héros. Trier par statistique. Et du coup, la meilleure, ça serait celle-là. On va prendre une 9800, pour le coup. Ensuite, personnage. Lesquels je n'ai pas. Parce que si ça se trouve, je les ai déjà tous. En fait, je sais pas si j'en ai débloqué d'autres depuis le temps ou pas. Après, ça m'empêchera pas de faire des cartes qui existent déjà. Parce que là, tout ce que vous voyez là, c'est des personnages que j'ai déjà eu, donc... Enfin, que j'ai déjà monté à fond en fait, j'ai déjà créé des cartes au pif pour les monter de niveau. Alors par contre, si vous le savez ça, comment on fait pour créer des géants? Parce que Roi Démon Piccolo Géant, ainsi que Goku Gori Géant, je les ai en personnage là, ils apparaissent, et je les ai en vignette. Problème, je ne sais pas comment les créer. Les personnages sont là, mais dès que je veux les rechercher, ça marche pas. Et généralement les géants, c'est ceux qui sont en spécial. Problème, je ne peux pas créer de cartes spéciales, j'en ai pas reçu. Alors, est-ce que plus tard, on recevra des cartes spéciales en avançant dans l'histoire? Ou est-ce que c'est tout simplement impossible? Et c'est juste des décorations. C'est possible que ce soit des décorations, c'est pour ça que je dis ça. C'est comme là, sans Goku Gori Géant, je peux rien faire. Alors peut-être qu'on peut faire un Son Goku ado par exemple. Je peux mettre le Gori Géant derrière. Hop. Je sais, hein, il est devant, mais on peut modifier. Non, modifier, pardon. Hop. Voilà. Parce qu'on peut mettre... Tekashi Budokai mais de nuit. C'est le seul game. Bon, marqué comme ça, ça peut aller. Mettre des flèches. Si d'attaque on va mêler. Je vais mettre 2000 partout pour la base. Histoire de définir des attaques spéciales et tout ça. On va lui mettre le Kamehameha tout simplement. Si je l'ai.
Alors... C'est pas mal ça. Et surtout, est-ce que là c'est un Vox Super Sangon Super Saiyan 2? Est-ce qu'il a changé pour Gorille Géant? Vegeta Elite. Non. Parce que s'il avait changé pour Gorille Géant, par exemple, j'aurais pu changer pour le Gorille Géant. Mais bon, ça marche pas. Et ça, c'est si je prends d'autres personnages. Vous voyez, bon, c'est le genre de truc comme ça. Ouh, on sait pas vraiment. Hop. On reste 50 points. Là-dedans. Hop. Voilà. Son Goku ado. Créé. Et puis voilà. Sauf que Son Goku ado, je l'ai déjà en personnage, donc ça me servait à rien de le créer. Mais vous avez compris un peu le principe. Mais franchement... J'ai plein de personnages à entraîner, hein. Et je suis sûr qu'il m'en manque plein d'autres. Le seul problème, c'est que je les ai pas encore en vignette ou quoi que ce soit. Et je suis sûr qu'en avançant dans l'histoire, je les débloquerai. Ou alors que c'est dans le mode arcade. Ça m'étonnerait pas du tout. Dans le mode arcade là. Ça m'étonnerait pas du tout que ce soit là. En plus, on a un objet, un module, qui ne nous sert à rien depuis le début. C'est celui-là. Les captures d'ennemis. Je suis sûr qu'il est utilisable que dans le mode arcade pour capturer des ennemis qu'on n'a pas. Et donc, ça voudrait dire que dans le mode arcade, on peut avoir tous les personnages, mais il faut les capturer, en fait. Je suis sûr que c'est un truc comme ça. Parce que là, dans le mode histoire, on peut en capturer aucun. Donc bon, en tout cas, vous pouvez être sûr hein, qu'après l'histoire, histoire qui doit pas être très longue, genre 5 chapitres, vous pouvez être sûr que je m'attaquerai au mode arcade, parce que ça a l'air d'être un truc d'histoire aussi. Il y a des histoires dans le mode arcade, a priori. Du coup, ce sera bien sympa à faire, je pense. Et d'ici là, je pense que j'aurai aussi acheté un abonnement pour un an, pour Nintendo. Franchement. Mais franchement, être obligé de faire ça pour faire des trucs en réseau. J'espère que ça vaut le coup. Sur ce, je vous dis à tous. Ciao, à plus. Et je vous donne rendez-vous dans 4 jours pour que l'on commence le chapitre 3. On ira voir ce que Pou nous réserve. Allez.